Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission On en fait tout un cinéma spécial quiz de Noël. Vous allez voir, on va jouer avec vous. On modifie légèrement l'émission sur Via Vos justement durant ces fêtes de Noël et on va jouer avec le calendrier de l'Avent du cinéma. Et pour jouer, il nous faut des candidats bien entendu. Et ils sont avec moi depuis chez eux, confinement oblige. Et vous les connaissez peut-être hein, puisqu'ils font partie eh bien, des cinémas vosgiens. Si vous allez du côté du cinéma de Gérard May à la MCL, vous connaissez peut-être Loïc. Salut Loïc, comment vas-tu ? Florian, bah écoute, ça va bien. Ça se passe bien du côté de Gérard May ? Il y a toujours un peu de neige ? Bah écoute, il y a de la neige, pas mal là, donc on est content. Toi, ton cinéma de prédilection, c'est quand même le cinéma d'animation avec le festival Graines d'Étoiles tous les ans à la MCL de Gérard May. C'est toi qui es l'organisateur. Alors, je crois que cette année, il y a eu pas mal de monde hein, malgré le Covid. Ben, c'est ça, ouais, on est content. On a eu 4200 spectateurs qui sont venus voir des films jeunes publics pour la famille. Ouais, on est très content. Un beau festival. Un beau festival, franchement c'est bien, les gens étaient au rendez-vous malgré le confinement et la peur voilà, justement de choper ce maudit virus. Et face à Loïc, nous partons du côté de Remiremont, Aix-le-France, hein, puisque vous le savez, hein, depuis quelques semaines déjà, le nouveau cinéma a ouvert avec cette salle. Alors, on joue avec Jean-Charles, donc du Majestic Le Volontaire. Comment vas-tu ? Oui, ça va très bien, merci. Ça va bien. Alors prêt à s'amuser et à jouer avec nous ? Ah bah oui, toujours prêt, oui. Toujours prêt, culture cinématographique du côté de Remiremont, on va tester tout ça. Donc nouvelle salle, hein, je le disais, hein, qui a ouvert, comment s'est passée l'ouverture ? Eh ben, ça s'est très bien passé, on a eu beaucoup de monde, les gens sont hyper contents, donc c'est que du bonheur. Et toi, donc du coup, des projets, je pense, à venir hein, pour le cinéma 2021, si tout va mieux bien sûr. Mais voilà, il y a de nouvelles pistes, parce que cette salle hein, quand même, il faut le noter hein, du côté de Remiremont maintenant. Ah bah oui, c'est ça, cette salle, ouais. Voilà, on espère que les spectateurs vont être au rendez-vous en 2021 dans nos salles de cinéma, bien sûr. Donc vous allez jouer face à face pour devenir le cinéphile de l'année dans cette émission. Voilà, on va le savoir en fin d'émission. Ce jeu, c'est facile, va se passer en deux manches, des questions cinématographiques bien entendu. Vous allez jouer avec le calendrier de l'Avent pour la première manche. En deuxième manche, il y aura quelques cadeaux à déballer. Ça, c'est avant les fêtes, ça fait toujours bien plaisir. Et le meilleur d'entre vous ira ouvrir la 24e case, le jour du réveillon de Noël, bien sûr, pour tenter d'être le meilleur cinéphile. Mais ça, je vous explique tout dans quelques instants. Est-ce que vous êtes prêts tous les deux ? Parfait. Ouais, je suis prêt. Alors c'est parti, on lance la première manche dès maintenant. Alors sur votre écran va s'afficher dans quelques instants un calendrier de l'Avent, comme je vous le disais, avec 24 cases. La 24e, on se la réserve pour la finale tout à l'heure. C'est le meilleur d'entre vous qui aura la chance de jouer cette finale. On en reparle dans quelques instants. Derrière chaque case se cache un thème sur le cinéma. Par exemple, le cinéma fantastique. Vous aimez le cinéma fantastique, oui ou non ? Eh bien, si c'est oui, vous allez prendre une question plutôt difficile. Si c'est l'inverse, vous allez choisir plutôt la question facile. Si c'est facile, vous répondez bien, vous gagnez un point. Si c'est la question difficile et que vous avez la bonne réponse, ça sera deux points pour vous. Vous avez chacun en votre possession un petit biscuit de Noël. Alors, ça correspond à quoi ? Eh bien, tout simplement à un joker que vous allez pouvoir utiliser à n'importe quel moment, une seule fois durant cette première manche. Et vous allez pouvoir, par exemple, si vous avez choisi la question difficile et que je vous l'ai posée, elle ne vous plaît pas, vous allez pouvoir switcher et aller direction la question facile. Voilà, et vice versa bien entendu. Voilà, est-ce que je suis clair pour le moment pour vous deux ? Tout à fait. Oui, très bien. Vous n'avez pas de limite de temps pour répondre à ces questions durant cette première manche. Mais attention,
Derrière certaines cases, il y en a 7, se cache le méchant bonhomme de neige Jack Frost, hein, qu'on a pu voir dans quelques films d'horreur américains ou même dans des contes pour enfants. Et si vous tombez dessus, malheureusement, pas de question, c'est un peu la case piège et vous passez votre tour tout simplement. Voilà, je pense que les règles sont données, nous allons pouvoir jouer et je vous propose dès maintenant de faire une ovation au calendrier de l'Avent qui s'affiche sur notre écran. Voici donc le calendrier de l'Avent. Derrière ces 23 premières cases que vous allez pouvoir choisir se cache donc un thème. Et derrière chaque question, 3 propositions de réponses pour vous. Le tirage au sort a eu lieu avant l'émission et c'est Jean-Charles de Remiremont qui va commencer. Donc tu peux choisir une case, tu choisis laquelle ? Alors la 14. Alors c'est parti, on découvre quel thème se cache derrière la case numéro 14. Et ah, bah ça commence bien. Ah bah ça commence bien. C'est Jack Frost qui vient de s'afficher sur l'écran. Malheureusement, tu passes ton tour avec cette première question. Je rappelle, vous allez pouvoir choisir entre 4 cases sur ce calendrier dans cette première manche. Du coup, on part du côté de Gérard May avec Loïc de la MCL. Le cinéma André Bourvil choisit quelle case ? Moi, je vais prendre la 6. La numéro 6, c'est parti. On découvre. Quelle friandise se cache derrière donc la petite fenêtre 6. Et c'est le thème Disney, film d'animation pour toi. Ça commence plutôt bien, je pense. Hein. C'est toi qui toi, comme on en a parlé il y a quelques instants, tu nous as dit que c'est un petit peu ton thème de prédilection, les films d'animation. Tu le sens bien ? Bah, écoute, on va voir. Alors, tu le sens bien, plutôt facile, difficile pour commencer ? On va en prendre difficile. Difficile, c'est bien, tu tentes pour 2 points. Alors voici ta question pour 2 points. En quoi la bonne fée transforme le personnage Gus Gus, une des petites souris dans le film d'animation Cendrillon de Disney ? Proposition 1 en cheval, proposition 2 en cocher ou troisième proposition en carrosse ? Alors Je vais dire en carrosse. En carrosse. Non, c'est la citrouille, bien sûr, en carrosse. Non, c'était en cheval. Vous pouvez regarder justement l'extrait. C'est bien en cheval, la petite souris Gus Gus, voilà, comme vous le voyez. Elle est transformée. Désolé, pas de point pour cette première question. Vous êtes donc à égalité tous les deux. Je reviens vers Remiremont, Jean-Charles, majestique, est toujours là. Et tu peux choisir une deuxième case dès maintenant. Alors, j'espère bien tomber, je vais prendre le 7. Le numéro 7, donc regarde ce qui se cache derrière la case numéro 7. Alors, ton thème va être suspense, la guerre au cinéma. Est-ce que tu aimes les films de guerre déjà ? Oui, j'aime tous les films. Oui, c'est vrai, t'aimes tout, ça t'est pas difficile. Mais bon, ça va, en cinéma de guerre, tu t'y retrouves, tu penses que t'as un bon niveau ? Bon, à bon niveau, je pense pas, mais je suis joueur, alors je vais prendre difficile. Ah, ça, j'aime bien. C'est parti, on y va avec cette question difficile pour toi, Jean-Charles. Question difficile. Comment s'appelle la planète où vivent les Ewoks dans la saga Star Wars ? Tatooine, Endor ou Naboo ? C'est Endor. C'est Endor, hein ? Ça rappelle des souvenirs, tout ça. C'est une bonne réponse, bravo. Effectivement, c'est bien la planète Endor où vivent ces belles petites peluches que sont les Ewoks. Espèce de petit ourson plutôt sympa, on se souvient tous de ça. Il y avait même deux films dérivés de la saga Star Wars qui étaient sortis en parallèle quelques années plus tard avec en vedette les personnages des Ewoks. À Loïc, dès maintenant, quel numéro choisis-tu sur le calendrier de l'Avent ? Eh ben, je vais prendre la 23. On choisit la case numéro 23, c'est parti, on dévoile tout ça. Alors, que va-t-il se cacher comme thème derrière cette case 23 ? Eh bien, décidément, Jack Frost est de retour et le bonhomme de neige a de nouveau sévi du côté de Gérard May. Et oui, la neige est au rendez-vous, donc forcément, faut bien le payer à un moment ou à un autre. Donc, tu passes ton tour, malheureusement, je suis désolé. Je vous rappelle que vous avez tous les deux en votre position toujours ce petit biscuit qui vous permet de switcher d'une question à une autre, toujours dans ce même thème. Allez, on fait un petit récap dès maintenant sur vos points, puisque vous avez répondu à tous les deux à vos deux premières questions. Jean-Charles de Remiremont a 2 points déjà, et toujours 0 du côté de la MCL de Gérard May, mais ce n'est pas grave, puisque 2 autres questions vont être posées à chacun dans quelques secondes. Et on retourne donc à Remiremont avec la 3e question de Jean-Charles. Et tu choisis quelle case, justement, sur notre beau calendrier de l'Avent ? Je vais prendre la case 4. La case 4, c'est parti, on découvre ensemble ce qui se cache derrière cette case.
Derrière la case 4 se cache la comédie musicale. Alors, est-ce que tu aimes les comédies musicales? Alors, tu vas me dire, oui, mais j'aime tout. Ouais, je me suis peut-être un peu emballé vite tout à l'heure. Voilà, c'est pas trop mon truc. D'un pas en arrière, la comédie musicale, donc, que tu choisis plutôt facile ou difficile? Est-ce que tu tentes le tout pour le tout ou tu vas être raisonnable? Non, bah, difficile. Difficile, je te rappelle que tu as toujours ton biscuit de Noël qui te permet de switcher si tu ne sens pas la question. Ben c'est parti, on y va, on découvre ensemble la question difficile. Dans le film La La Land, où se trouvent Emma Stone et Ryan Gosling au début du film? A. Dans un restaurant. B. Dans un embouteillage. Ou bien C. Dans un parking. Alors, tu la sens la question? Ah non, bah, il répond, on y va avec l'embouteillage et on vérifie la réponse. T'es sûr de toi et c'est la bonne réponse, bravo à toi, tu remportes 2 points. Ah, ça y est, ta besace de points, ta hôte de Noël de points, on va dire. 4 points pour toi déjà. Allez, on retourne à la MCL de Gérard May. Là par contre, on commence à trembler, pas de froid, mais on tremble parce qu'on n'a toujours pas de points pour le moment, toujours 0, mais on ne sait pas, derrière cette case, peut-être un thème qui va t'aider. Alors, tu choisis quelle case, justement? Je vais prendre la 2. On va essayer de te refaire. Oui, la case numéro 2, c'est parti. J'espère pour toi que Jack Frost ne sera pas. Bon, allez, c'est parti, on découvre ça ensemble. Derrière la case 2 se cache le thème Bruce Willis. Est-ce que tu aimes bien Bruce Willis? Oui, c'est un petit oui, ça, c'est le oui. Il est sympathique, mais pas dans un jeu de quiz, quoi. C'est un peu ça. Donc, tu vas être joueur ou pas? Question facile ou difficile pour toi? Allez, on va prendre difficile quand même. Prends difficile, t'as toujours ton joker avec toi qui est le biscuit de Noël. C'est parti, voici ta question difficile. Quel métier le personnage joué par Bruce Willis incarne-t-il dans le film La mort vous va si bien de Robert Zemeckis? A. Producteur de cinéma. B. Croque-mort. Ou bien C. Vétérinaire. Au pif. Comme on est une émission de cinéma, je vais dire producteur de cinéma. Bah oui, t'as bien raison. Mais non, eh non, c'est pas la bonne réponse, je suis désolé, non, il est croque-mort. On se rappelle, hein, il jouait aux côtés de Meryl Streep dans ce film. Tu t'en souviens, Jean-Charles? Ouais, je l'ai vu, ouais. Ouais, je me rappelle. Je l'ai revu dernièrement, et je peux dire que c'est un film qu'on aime, enfin, que moi personnellement j'aime revoir pendant cette période des fêtes de fin d'année. On peut regarder justement un extrait du film, souvenez-vous. Je veux juste te dire une petite chose, Elle. Tu es responsable de ce qui t'arrive. Marlène! Oh mon Dieu! Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis défendue, c'est tout. Comploteur, co-conspirateur. Elle est morte! Oh! C'est dans ces moments-là que la vie vaut la peine d'être vécue. Mon Dieu, Marlène, c'est tout horrible! Un petit récap sur les points avant de faire la dernière question pour chacun. Jean-Charles, 4 points déjà, bravo. Toujours 0 du côté de la MCL de Gérard May, mais ce n'est pas grave. Hein. Bien sûr, vous cumulez vos points avec la manche numéro 2 qui arrive dans quelques secondes. Allez, Remiremont est avec nous, le Majestique. Choisis une nouvelle case sur le calendrier de l'Avent. Oui, je vais prendre la 10. La case numéro 10. Quel thème se cache derrière la 10? On va le découvrir ensemble. C'est parti. La case tueur en série. Alors, cinéma d'horreur, fantastique. C'est ton truc, c'est pas ton truc? Ah si, ouais, c'est mon truc. Tu vas régulièrement au festival de Gérard May? J'ai croisé quelques tueurs en série là-bas. Oui, il y en a pas mal. Il y a pas mal de grands fêlés là-bas. Alors du coup, plutôt facile ou difficile sur cette question? Oh bah allez, on continue dans difficile. Ah oui, il faut continuer, tu as raison, tu as toujours ton joker avec toi. Question difficile, que voici. Qui interprète le rôle de Clarice Starling dans le film Hannibal? Jodie Foster, Julianne Moore ou bien Sharon Stone? C'est Julianne Moore. Eh oui, il n'est pas tombé dans le piège, oui, hein, parce que c'est bien Jodie Foster dans le Silence des Agneaux, le premier volet, mais dans sa suite, elle a été remplacée par Julianne Moore. C'est une bonne réponse, 2 points en plus pour Jean-Charles, bravo. Alors attention, on repart du côté de Gérard May. J'espère que tu vas pouvoir marquer tes 2 premiers points, ou bien un seul point, mais ça serait déjà pas trop mal, ça serait bien. On y va, on y croit. Bah oui, on s'amuse, on joue, hein. Pas de pression, on y va avec le calendrier de l'Avent. Tu choisis quel cas cette fois-ci?
prendre la 17. La case 17, c'est parti. Le suspense est intégral. Découvrons ce qui se cache derrière la case 17. Et c'est... Ah, un thème super-héros. Est-ce que ça te parle? Plus que Bruce Willis. Ah, bon. Ça va, c'est bien. C'est déjà mieux. Alors du coup, tu pars plutôt sur difficile, j'imagine. Ah bah oui, allez. T'as toujours ton joker, je te le dis. C'est la dernière fois que tu pourras l'utiliser dans ce jeu. Donc... On y va, on tente le tout pour le tout. Allez, c'est parti avec ta question difficile sur le thème super-héros. Comment s'appelle le personnage joué par Marion Cotillard dans la saga Batman ? Selina, Miranda ou bien Meryl ? Joker. Joker ou tu le tentes ? Peut-être qu'avec le pif, ça peut passer. Ouais, avec le pif, ça peut passer. Allez, je vais prendre le Joker. Le Joker, on switch, on oublie cette question, on y répond quand même. On se souvient surtout de Marion Cotillard quand elle meurt, hein, dans le film de Christopher Nolan, Batman. Regardez, parce que ça vaut des points, ça s'en passe pas à côté. Prepare yourself. My father's work is done. Allez, on switch et on passe à la question facile, hein, puisque Loïc a décidé d'utiliser son Joker. Quel personnage devient un super-héros une fois piqué par une araignée ? Deadpool, Batman ou bien Spider-Man ? J'aurais dû prendre les questions faciles depuis le début. C'est Spider-Man, c'est une bonne réponse. Je suis sûr que tous les enfants qui nous regardent avaient la bonne réponse également. Spider-Man se fait bien piquer par une araignée. Bravo, ton premier point, Loïc. Tu vois comme quoi il faut y croire jusqu'au bout. On fait un petit récap sur les points à l'issue de cette première manche. Un petit point, mais un point tout de même du côté de la MCL de Gérard Mie avec Loïc et du côté de Remiremont Cinéma Le France. 6 points, bravo à toi. Jean-Charles, bravo, on peut t'applaudir. Et on va passer dès maintenant à la deuxième manche. Allez, c'est parti, deuxième manche, exit le calendrier de l'Avent pour le moment. On va aller faire un petit tour sous le sapin de Noël où se cachent des cadeaux numérotés de 1 à 10. Même principe, vous allez choisir un cadeau, un numéro, et derrière se cache un jeu. Et derrière chaque jeu, bien sûr, je vais vous expliquer la règle. C'est Jean-Charles qui a le plus de points après cette première manche, donc c'est toi qui continues à jouer en premier. Alors, avec ces petits cadeaux qui s'affichent sur l'écran, tu choisis quel numéro ? Le numéro 5. Le numéro 5, quel jeu pour toi? On va découvrir ça en quelques secondes. On déballe ton cadeau. Alors, on va jouer avec toi avec les mots gîtres. Alors, qu'est-ce que les mots gîtres, tu vas me dire? Vous allez avoir sur votre écran, je parle aussi aux téléspectateurs, bien sûr, hein, parce que vous jouez en même temps que nos candidats. Vous allez avoir des émojis qui vont s'afficher sur votre écran. Et ces émojis, en fait, vous donnent des indices pour retrouver le titre du film. D'accord? Ouais, c'est bon. C'est clair. Alors attention, 15 secondes pour répondre à cette question. Et à l'issue de ces 15 secondes, il faut me donner la réponse. Et c'est parti. Bonne chance. Un point à gagner avec cette première question. Et alors, ta réponse est Alice au Pays c'est des Merveilles. C'est une bonne réponse, bravo, Alice au Pays des Merveilles, réalisé par Tim Burton. On avait également la version dessin animé de Walt Disney. Bravo à toi, un point supplémentaire, ce qui monte tes points à 7 pour le moment. Bravo, partons du côté de Gérard Mie, allons déballer un cadeau avec Loïc. Et tu choisis lequel, justement, sous le sapin? Je vais prendre le 3. Le cadeau numéro 3, on le déballe ensemble. Alors derrière le cadeau numéro 3, on va jouer avec la bande originale. La bande originale d'un film, bien sûr, 15 secondes pour écouter l'extrait. À toi de me donner le titre du film à laquelle elle a été extraite, bien sûr. Alors attention, c'est parti. Alors, ta réponse? Eh ben, je l'ai. Tu connais?
Oui. Bah oui, non, mais c'est trop. Ouais, bah t'as pas la réponse. Est-ce, mais... est-ce que Jean-Charles c'est l'avait ça, ça n'en revient pas. Bah, le compositeur est venu à Gérard Armé pourtant. Oui. Vladimir, Vladimir Cosma. Pour le grand blond, bravo, avec une bravo, noire. Bravo. Ah, l'expert du cinéma est là, alors bravo, oui, c'était bien ça. Voilà, le grand blond avec une chaussure noire. Tu peux ouvrir ton deuxième cadeau dès maintenant. Je vais prendre le 2. Cadeau numéro 2, on découvre, on déballe ce paquet ensemble et on voit ce qui se cache dedans. La liste inconnue. Alors, la liste inconnue, c'est quoi? Eh bien, tout simplement, tu vas avoir le nom de 4 personnages fictifs qui vont s'afficher sur ton écran. Ils ont été interprétés soit par une actrice ou un acteur. À toi de me dire tout simplement quels comédiens ou comédiennes ont joué tous ces rôles. Tu verras, les noms vont s'afficher au fur et à mesure que le chronomètre avance. C'est parti, voici ton jeu. Roméo Montaigu, Jack Dawson, Jay Gatsby et Hugh Glass. Ta réponse ? C'est Leonardo DiCaprio. Bonne réponse, effectivement, c'est bien Leonardo DiCaprio. Bravo. Eh bien, écoutez, un point supplémentaire pour Remiremont. Bravo à toi, Jean-Charles. Ce qui fait 8 points dès maintenant. De retour à Gérard May avec Loïc qui choisit un nouveau cadeau. Je vais prendre la 1, tiens. C'est parti, case numéro 1. On regarde le jeu qui se cache derrière. L'affiche fantôme, c'est quoi ? Et bien écoute, tu vas avoir une affiche qui va apparaître sur l'écran dans quelques secondes, mais beaucoup d'éléments ont disparu. À toi de me retrouver le titre avec ce qu'il reste. Tu as 15 secondes, es-tu prêt? Ouais, allez, on est parti. On est parti, voici l'affiche fantôme. Et ta réponse est... Le Seigneur des Anneaux. Le Seigneur des Anneaux. Nouvelle version, une ancienne version. Hein. Je crois que Jean-Charles a la réponse. C'est l'histoire sans fin. C'est l'histoire sans fin, bravo, effectivement, l'histoire sans fin. Et on repart à Remiremont. Et tu choisis quel cadeau sous le sapin cette fois-ci? Allez, le numéro 10. La numéro 10, c'est parti, on ouvre le paquet. Et c'est une nouvelle fois la liste inconnue, même principe que tout à l'heure. Hein. C'est parti, revoici donc ta deuxième liste. On a Marie-Francine, on a la princesse Armelle, Agathe Cléry et Béatrice de Montmirail. Je vois que du côté de la MCL de Gérard Armé, on est un peu frustré parce que je pense que tu avais la réponse, Loïc. Loupe, vas-y ta réponse, Jean-Charles, pardon. Donc Valérie Lemercier. Oui, c'est bien Valérie Lemercier. Je crois que du côté de chez Loïc, on avait également la réponse. Non, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est avec toi qu'on joue dès maintenant, tu vas pouvoir choisir un nouveau cadeau. Ouais, bah, du coup, je vais choisir le 8. Le cadeau numéro 8, on découvre ton jeu dès maintenant. Derrière le 8 se cache une nouvelle fois la bande originale. Attention, voici ta bande originale. Même après 15 secondes, je crois que je ne trouverai pas. Ah, c'est un peu compliqué, j'avoue que celle-là, elle est un peu compliquée. On est toujours avec Vladimir Cosma. JC, tu l'avais? Moi, je dirais la Boom 2. Ah, c'est la Boom 1, tout simplement. Bon, bah Loïc, toujours pas de points, je suis désolé. Mais bon, là, on joue vraiment pour le fun, hein, puisque ce sera chacun votre dernière question à partir de maintenant. On repart à Remiremont avec Jean-Charles qui choisit son dernier cadeau. Je vais prendre le numéro 4. Cadeau numéro 4, on découvre le jeu avec lequel tu vas t'amuser. Alors, tu vas t'amuser dès maintenant avec le puzzle. Nouveau jeu. Tu vas avoir 4 captures d'écran d'une scène d'un film qui vont être affichées pendant 15 secondes sur ton écran. Et à toi de découvrir de quel film ces captures ont été extraites. C'est parti, voici donc ton puzzle.
ta réponse est... Les Visiteurs. Les Visiteurs, bonne réponse. Effectivement, un film de Jean-Marie Poiret, on a pu voir Christian Clavier, Jean Reno, ou encore Valérie Lemercier, justement, en Béatrice de Montmirail. Et ton dernier cadeau pour toi, Loïc, c'est lequel? Alors, on va finir par le 6. Alors, le cadeau numéro 6, découvrons le jeu avec lequel on va s'amuser avec toi. Le puzzle, même règle, 4 captures d'écran d'une scène d'un film, et à toi de me dire tout simplement le titre du film, 15 secondes, c'est parti. Et ta réponse est... Tati Daniel ? Oui, c'est une bonne réponse. Bravo, tu marques ton deuxième point. Voilà, voilà, tu termines quand même avec un point avant de partir, avant de nous quitter, ça fait bien plaisir. Exit la MCL de Gérard May pour cette partie, mais elle n'a pas démérité, elle a tout tenté, elle a tout donné. Bravo Loïc tout de même. Merci d'avoir participé. De rien, merci à toi de nous avoir invités. Avec grand plaisir, tu restes avec nous, la finale va avoir lieu dans quelques instants avec Jean-Charles, qu'on félicite, bravo à toi, bravo, avec 10 points quand même, bravo en cumulé avec ces deux manches, bravo à toi. Donc tu vas accéder à cette 24e case de Noël dans le calendrier de l'Avent qui fait son apparition dès maintenant. Pour cette finale, tu vas avoir 10 extraits très courts qui vont s'afficher sur ton écran. À toi de trouver les titres des films, mais attention, tu vas pas me les donner tout de suite. Tu vas devoir les retenir et ensuite, à la fin de ces 10 extraits, tu vas avoir 15 secondes pour m'en citer le plus possible. Et pour prétendre être le grand gagnant de l'émission, il va falloir m'en citer au moins 6. Tu es prêt ? Je suis prêt. 15 secondes, pas une seconde de plus pour Jean-Charles. Voici la grande finale avec la 24e case du calendrier de l'Avent. Kevin ! Ah ! Oh, Hannah. Ah, mais la vie, si j'aurais su, j'aurais pas venu. Un empereur. Marc Aurèle avait un rêve qui s'appelait Rome Proximo. Ce n'est pas ça ! Ce n'est pas ça ! Je sais pas comment vous remercier. Pardon. Tu sais pas ce que tu racontes, ce type sait même pas parler notre langue. J'ai aidé vous. On repart quand, selon vous? Demain. Il n'y a aucune chance que l'on redécolle dans la nuit. Je suis sûr que le vent souffle si fort là-bas qu'on ne doit pas s'entendre péter. Mais ça se calmera sans doute au petit matin. Et je consacrais les 5 dernières années à la création d'une sorte de réserve biologique. Pousse-toi, grand bras ! Ça devait être un farfadet. C'est parti. Alors, j'ai vu Evita, Gladiator, Lilo et Stitch, Maman, j'ai raté l'avion... les trois sorcières, je crois. Après, je sais non, plus. C'est terminé. Il y a eu 4 bonnes réponses seulement. Malheureusement, il en fallait 6 pour être le grand gagnant de l'émission. Mais bon, t'as pas démérité. T'as quand même été le grand champion face à la MCL de Gérard May avec notre cher Loïc. On va faire un petit récap justement sur les titres des films. On va revisionner une deuxième fois cette finale et je vais vous donner les bonnes réponses. C'est parti. Maman, j'ai raté l'avion, bien sûr, qui t'a fait gagner un point. Lilo et Stitch pour un deuxième point. La guerre des boutons. Gladiator, tu l'avais également. Evita, qui était quand même pas évident. Voilà, franchement, il n'était pas évident celui-là, mais bravo, avec Madonna. On a Épouse-moi mon pote, avec la bande à Fifi bien sûr, et Tarek Bourali qui réalise le film. Paddington 2, il fallait bien dire le 2 pour valider la réponse. On a Le Terminal avec Tom Hanks, film de Steven Spielberg. Un ticket pour deux avec John Candy et Steve Martin. Jurassic Park de Steven Spielberg, toujours.
et Hocus Pocus, les trois sorcières. Il fallait me donner le titre Hocus Pocus pour que je puisse valider ta réponse. 4 bonnes réponses pour cette finale. Encore bravo à toi, Jean-Charles. Merci d'avoir participé à cette grande première pour Vouge Télévision, l'émission On en fait tout un cinéma dérivé en quiz de Noël. Merci également à Loïc qui est toujours avec nous. Merci d'avoir participé. Merci à toi. Voilà, on souhaite le meilleur pour les salles de cinéma en 2021, bien sûr. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver cette émission en replay sur viavauge.tv ou encore sur notre page Facebook. Passez du bon temps, merci à tous de nous avoir suivis et nous, on se dit à dans 15 jours pour un nouveau quiz de Noël. À très vite, merci, bye bye.